écran, s'il te plaît. Merci. Je crois que le moment est venu. Le monde va nous appartenir. Oui. Il y a de fortes chances. Ah, monsieur le président. Ce message réclame votre plus grande attention. Cher monsieur le président, cher monsieur le président des États-Unis, il est de mon devoir de vous prévenir qu'un missile à tête nucléaire est pointé en direction de Washington. J'ai décidé de lancer ce missile à 20 heures très précisément, ce même jour la semaine prochaine, et je raserai votre ville de la surface de la Terre au cas où vous refuseriez de me confier $1 milliard en or que vous placerez dans une bouée capsule dont voici les coordonnées. Longitude 172 degrés ouest, latitude 16 degrés, 2 fois 8, 16 degrés nord. Maintenant, si vous voulez diriger vos caméras radar sur la petite île déserte d'Akatoa, dans le sud-ouest du Pacifique. Merci. La superficie d'Akatoa est 2 fois supérieure à celle de Washington. Je vais maintenant faire disparaître cette île pour vous prouver mes possibilités et ma détermination. Et vous verrez ainsi ce que j'ai décidé de faire. Tourelle en position. Le monde va bientôt découvrir le pouvoir que nous détenons. Tourelle en position. Prépare le rayon bêta. Rayon bêta paré. Rayon bêta. Feu! Rayon bêta. Feu. Cela devrait convaincre le président que je ne fais pas de menaces gratuites. Et le lieutenant Porter. Négatif. Franklin et Porter quadrillent le secteur sud. Vous pouvez les contacter? Négatif. Ils sont hors de portée. S'il y a quelque chose dans le coin qui brouille nos émissions, il est bien caché. Viens, on va fouiller ce récif. À part des arêtes de poissons, il n'y a pas grand-chose. On avance tout droit pendant 3 minutes. Et on rentre. Et j'ai la perlue ou quoi? À ce compte-là, je l'ai aussi. Thank you.
C'est qui ça? Je dirais plutôt c'est quoi? On va essayer de le savoir. C'est un sas. C'est pas un modèle américain. C'est même pas un modèle que je connaisse. Tâchons de retrouver cet homme qu'on a vu dans ce cylindre de verre, si on n'a pas rêvé. Flatté, monsieur. Mais qui êtes-vous? Identifiez-vous, s'il vous plaît. Commandant Tom Franklin de la Marine des États-Unis. Lieutenant Jim Porter de la Marine des États-Unis. Que faites-vous à bord? Comment êtes-vous entré? Nous faisons partie de la flotte du Pacifique en mission sous-marine spéciale. Quelle date sommes-nous? Le 9, monsieur, le 9 avril. Je parle de l'année, jeune homme. Le 9 avril, de quelle année? 1978. Pardon? 1978. Remarquable. Surprenant. Ça a marché. Mon expérience est un succès. Le générateur fonctionne de nouveau. La température s'est élevée, m'autorisant à m'extraire de mon nid. Votre générateur a probablement été remis en route par les turbulences provoquées par nos bombardements. Pour nos manœuvres. Vos manœuvres. Mais plus ça change, plus c'est la même chose. Vous connaissez cette réflexion? Oui, je crois qu'elle nous vient d'un philosophe du XVIIIe siècle. Félicitations, lieutenant. Mais je vous en prie, repos. Vous avez parlé de manœuvres, mais vous n'êtes pas à bord d'un bâtiment de guerre. Le Nautilus n'est pas un bâtiment militaire. Allez, venez, je vais vous le faire visiter. Vous n'avez plus la possibilité de vous déplacer à pied? Vous avez dit Nautilus. Oui, c'est bien le Nautilus, oui. Alors vous ne pouvez être que le capitaine Nemo? Et sans vouloir vous décevoir, avouez que c'est une déduction tout à fait élémentaire. Vous voulez nous faire croire qu'il existe? Non, lieutenant, c'est vous qui voudriez bien le croire. Excusez-moi, mais le capitaine Nemo est un personnage de fiction inventé par Jules Verne. Et il ne vous est jamais venu à l'esprit que l'auteur était non seulement un romancier, mais un biographe aussi? Suivez-moi, messieurs. Tout ça, il y a déjà 100 ans. Plus que ça. Il y a 100 ans, il se mettait en hibernation. On ne nous croira jamais. Alors laisse-moi d'abord développer les photos et on nous croira. Ah, ce récif se tient au-dessus de ma tête comme l'épée de Damoclès. Je suis emprisonné là depuis un siècle.
Si je pouvais quitter ce fichu récif, je pourrais reprendre ma recherche de l'Atlantide. L'Atlantide? Excusez-moi, mais vous parlez du continent fabuleux qui aurait été englouti. Hein? Alors là, on plonge en pleine fiction, non? Dans la fiction? Et les pyramides, c'est la fiction? Et la grande muraille? Et les temples incas? Et les grandes statues de l'île de Pâques? L'Atlantide sera une fiction jusqu'au jour où je l'aurai découverte. J'ai parcouru le monde, accumulant tous les documents et les cartes antiques. Je la trouverai un jour. Malgré cette interruption momentanée de 100 petites années. Mais comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Ah, le 16 mars 1877, le Nautilus s'est retrouvé projeté sous ce récif par un raz-de-marée provoqué par un tremblement de terre. Alors j'ai ordonné à l'équipage de s'enfuir et j'ai bien encastré le Nautilus. Ensuite, j'ai pris un risque raisonnable. Je me suis placé en état de sommeil, dans l'espoir que par je ne sais quel miracle, je pourrais survivre. Et il me semble que j'ai réussi. Si Jules Verne était encore vivant, il pourrait écrire une suite fantastique. Pas encore. Je n'ai pas achevé mon odyssée. Et elle ne le sera pas tant que je n'aurai pas atteint l'Atlantique. Autrement dit, on va tous mourir. Messieurs, accrochez-vous bien. Annoncer notre mort de façon un peu prématurée, commandant. Oh, croyez-moi, je n'ai jamais été aussi heureux de m'être trompé. C'est déjà pas mal d'être en vie, mais on a des chances de rejoindre le monde des vivants. Quand j'aurai pu réparer le propulseur. Si vous y parvenez. Je ne pense jamais à l'échec. Qu'est-ce que vous utilisez comme carburant? Suivez-moi, vous allez le voir vous-même. Ne me dites pas que c'est un réacteur nucléaire. C'est pourtant exactement cela. Vous connaissiez la fission il y a 100 ans? Il y a même 127 ans, pour être exact. Maintenant, si vous voulez bien me suivre au carré des équipages, vous pourrez vous débarrasser de votre peau de caoutchouc et passer une tenue plus appropriée. Ensuite, nous nous mettrons en route. C'est extra, ces tenues sont absolument impeccables. Je n'aurais jamais cru qu'elles seraient si confortables. Nous n'étions pas des barbares. Attention, messieurs, nous allons procéder au départ. À mi-vitesse. Mes propulseurs plus ou moins endommagés me contraignent à me traîner. À vous traîner? Mais je dois peut-être pouvoir forcer la vitesse. Nous allons d'abord descendre à 2000 mètres et une fois là, je devrais pouvoir augmenter notre vitesse en fonction des courants. 2000 mètres? Aucun sous-marin ne peut résister à une telle pression. Erreur, lieutenant. Nautilus résistera. Excusez-moi.
Vous n'auriez pas envie de visiter San Francisco? San Francisco? Le Nautilus est à l'eau depuis plus de 100 ans. Vous connaissez ma destination, je me dirige vers l'Atlantique. Vous pourriez le mettre en cale sèche? Et la marine des États-Unis a la plus belle installation qui puisse exister au monde. Bien, j'ai des problèmes de propulseur. J'ai besoin de ravitaillement. Et bien sûr, même le Nautilus a besoin de faire un brin de toilette tous les 100 ans. Bon, c'est parfait, messieurs. Je modifie donc notre route pour San Francisco. Oui, oui, bien entendu. Oui, la situation est dramatique. Oui, monsieur. Entendu, monsieur. Je sais où vous joindre. Et soyez-y. Vous n'êtes pas mort, vous? Désolé de vous causer cette déception. Vous avez été invité à un bal costumé? Pour ainsi dire. Et nous vous avons amené un des convives. Nous croyons que votre rencontre peut être profitable. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je n'aurais jamais imaginé qu'une base navale était comme ça. Je vous ai posé une question, monsieur. Qui êtes-vous? Monsieur Miller, c'est le capitaine Nemo. Le capitaine Nemo? L'authentique capitaine Nemo? Il n'y en a eu qu'un dans l'histoire. Et naturellement, vous êtes venu à bord du Nautilus. Naturellement. Ben, vous m'avez fait venir jusqu'à San Francisco pour recevoir ce genre d'accueil. Au revoir, messieurs. Attendez! Monsieur Miller. Capitaine, attendez une minute. Pourquoi? Je vous jure que nous avons navigué avec le Nautilus à 2000 mètres. On se promenait comme dans du beurre. Et tout à coup, le capitaine Nemo a mis en route son réacteur nucléaire. Nous avons accéléré jusqu'à 60 nœuds et nous n'étions qu'à mi-vitesse. Voici les photos que j'ai prises dans le Nautilus. On a besoin de lui. Capitaine. Capitaine, c'est notre seule chance d'arriver en Atlantide. Voulez-vous entrer, capitaine? Parfait, je suis convaincu, vous êtes le capitaine Nemo. Oui, je sais qui je suis, merci. Et vous, qui êtes-vous? Nous faisons partie des services secrets de la marine. On forme un groupe dont le rôle consiste essentiellement à lutter contre ce qui peut menacer l'intérêt vital des États-Unis. Nos deux amis dépendent de moi. Et toute notre organisation reçoit ses ordres d'un homme et d'un seul. Cet instrument, c'est un téléphone, et il me relie directement à la Maison-Blanche à Washington. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me faut un équipage, des marins expérimentés. Je peux vous fournir tous les hommes que vous me demanderez. Il me faut un système de communication moderne. D'accord. Mon propulseur est endommagé. J'ai besoin de ravitaillement et, ce qui est peut-être le plus important, d'une cale sèche à l'abri des petits curieux. Le Nautilus n'est pas sorti de l'eau depuis plus d'un siècle. Bon, je vous trouverai ça. Et qu'est-ce que vous offrez en retour? Oh, tout vous sera payé, monsieur Miller. Et en or. La Maison Blanche n'est pas une entreprise commerciale, capitaine. Mais nous pouvons certainement trouver une autre monnaie d'échange. Chargement terminé. Parfait. Je vogue vers l'Atlantide dès aujourd'hui. Capitaine. On a besoin de vous en salle de contrôle. J'arrive tout de suite. Il arrive tout de suite, monsieur. Bien. Capitaine. Monsieur Miller, capitaine. Ah, monsieur Miller. Le Nautilus manœuvre à la perfection. Je vous remercie, je suis votre débiteur. Je sais, capitaine. Je le sais très bien. Et pour vous permettre d'acquitter cette dette, je vous demanderai d'abord de prêter la plus grande attention à cet enregistrement. Il nous a été envoyé de Washington il y a une semaine aujourd'hui. Monsieur le Président, je dois vous prévenir qu'un missile à tête nucléaire
est pointé en direction de Washington. J'ai décidé de lancer ce missile à 20 heures très précisément, ce même jour la semaine prochaine. Et je raserai votre ville de la surface de la Terre au cas où vous refuseriez de me confier $1 milliard en or que vous placerez dans une bouée capsule dont voici les coordonnées. Longitude 172 degrés ouest, latitude 16 degrés, 2 fois 8, 16 degrés nord. Et qui est cet individu? C'est le professeur Cunningham, un savant de génie, dont toute la vie a été consacrée à une certaine philosophie militaire. Est-ce que ce savant de génie est effectivement en possession de l'arme dont il parle? Il l'a. Il a mis au point un sous-marin spécial, le Raven. Et sa machine infernale menace le monde. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous avez tellement insisté pour que je vienne visiter San Francisco. Vous comptiez sur le Nautilus et moi pour empêcher cette folie, hein? Exact. Vous aviez besoin d'un autre propulseur. Le commandant Franklin et le lieutenant Porter sont certainement les deux plongeurs sous-marins qui ont le plus d'expérience et de capacité, capitaine. Ils ont été spécialement choisis pour s'opposer à la menace du professeur Cunningham. Et aujourd'hui, je leur ordonne de se mettre à votre service à bord du Nautilus. Si j'accepte votre mission. Alors, capitaine Nemo. Est-ce que le professeur est puissamment armé? Il a réellement fait disparaître l'île d'Akatoa. Monsieur Miller, j'ai décidé de payer ma dette et il me reste moins de 24 heures. Il faut me donner la dernière position connue du Raven. Je n'arrive pas à croire, monsieur le président, que vous soyez prêt à sacrifier des millions de vies humaines pour un malheureux $1 milliard en or. Ce ne représente qu'une misérable ponction sur notre revenu national. Vous avez entre vos mains la vie de ces gens, monsieur le président, et vous allez avoir aussi leur mort sur le cœur. Il ne vous reste que 5 heures. Ah bien. Quel crétin. Ah, venez voir. Voici notre position actuelle. Et tout porte à croire que nous... Sous-marin du professeur. Plongée immédiate. Quel intérêt. Si nous le voyons, il nous voit lui aussi. Vous pouvez fuir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Ne dites pas n'importe quoi. Je ne battrai pas en retraite. Je vais avancer et livrer bataille. Allez. Plongée immédiate. À vos ordres. Remplissez les ballasts. D'accord. À l'instant descend, commandant. Venez avec moi. Le professeur va certainement essayer de nous détruire, mais je lui ai opposé mon champ électromagnétique. Oui, vous sauverez ainsi l'équipage du Nautilus, mais pour les millions d'habitants de Washington... J'ai l'intention de sauver Washington, mais pour y parvenir, il faut d'abord que je voie mon adversaire et que je puisse juger cet homme personnellement. Vous voulez lui rendre visite? Il n'y a pas d'autre solution. Je ne suis pas extra-lucide. Il faut que je connaisse les moyens de mon adversaire, sa stratégie, sa tactique, ses missiles. Capitaine, c'est votre arrêt de mort que vous allez signer. C'est possible, mais je n'ai pas le choix. Excusez-moi, mais nous n'avons pas le droit de vous laisser vous suicider sans réagir. Bon, alors écoutez, maintenant, ça suffit. Je commande un bâtiment, je ne dirige pas un débat. Je me rends à bord du Raven et vous n'avez aucun moyen de m'en empêcher. Capitaine, vous avez besoin de quelqu'un pour tenir votre cap. Je ne porte pas de cap quand je suis en plongée. Ah, vous voulez m'assister dans mon duel contre le professeur. Bravo, commandant. J'accepte votre offre. Un sous-marin. Il faut le détruire. Quoi? Mais le président est malade. Qu'est-ce qui lui prend? Il est complètement malade. Il sait que j'ai pulvérisé une île tout entière. Et tout ce qu'il trouve pour m'arrêter, c'est un sous-marin. Bon, tant pis pour lui. Nous allons en disposer immédiatement. Toi, tourelle en position.
position. Branchez le rayon bêta. Branchez le rayon bêta. Dieu, Dieu. Surprenant. Aucun bâtiment connu ne peut résister à la force du rayon que j'ai mis au point. Et pourtant, ce sous-marin a réussi à neutraliser son effet. D'or, nous avons un adversaire intéressant. Il ne va pas en retraite, il n'essaie pas de riposter. Ma tête t'a coupé qu'il voudrait bien pouvoir me rencontrer. Le Raven est au sud. Stoppez les machines! Stoppez les machines! On ne devrait pas déjà y être? Le professeur a bouché le Raven. Alors retournons au Nautilus. Non. Jouons plutôt le jeu. Continuons. Des intrus. L'ennemi est à bord. Il doit être détruit. Oh, surtout pas. Nous devons souhaiter la bienvenue aux invités. Je ne vois pas l'utilité de les tuer, pour le moment. Vaisseau fantôme, où est l'équipage? Ne vous inquiétez pas, nous sommes repérés depuis longtemps. Je présume que vous nous rendez visite. Et vous avez l'air d'un corps expéditionnaire bien mince. Nous sommes en nombre suffisant. Nous, qui est-ce? Commandant Tom Franklin de la Marine des États-Unis. Je suis le capitaine Nemo du Nautilus. Nemo? Le capitaine Nemo? Pour vous servir, professeur. Nemo? Mais c'est pas Dieu possible! J'ai su que cette fois-ci j'avais affaire à un adversaire des plus exceptionnels. Quand mon écran m'a indiqué qu'aucun coup n'avait atteint la cible, vous avez dû utiliser un champ électromagnétique. Alors là, je vous félicite. Oh, votre technologie surpasse considérablement mes malheureuses possibilités. Votre découverte entrera dans l'histoire. Vous avez conçu des créatures capables de faire le travail d'un homme. Bravo! Ces compliments sont très flatteurs, mais vous avez prouvé votre intelligence. Vous devez vous rendre compte que votre situation est sans espoir. Pourquoi êtes-vous venu? Mais pour vous arrêter. Plus rien au monde ne m'arrêtera maintenant. Ah, je suppose que vous faites allusion à votre fameuse machine infernale que vous prétendez avoir en votre possession. Quoi? Vous dites que je prétends? Suivez-moi. Un si grand génie corrompu par le mal. Toutes ces inventions ne devraient-elles pas être détruites? J'ai fait une proposition et je respecterai ma parole. J'ai laissé au président jusqu'à 20h ce soir. Mais vous ne pouvez quand même pas raser toute une ville. Le responsable en sera votre président. Alors, paralysé. Il y a si peu d'hommes avec qui je puisse bavarder et si peu d'intelligence que je puisse envier. Conduisez-les à fond de cale. Ah.
intrus doivent mourir. Ils mourront, t'inquiète pas. Mais avant tout, il faut que je ponctionne le cerveau des démons. Quand ce sera fait... Les intrus mourront. Eh oui, ils mourront. Moins de 30 minutes avant le lancement de ces machines infernales. On a changé le cours de l'histoire en moins de temps que ça. Les intrus tentent de s'évader. Quoi ? Alerte générale, au poste de combat. Le capitaine Nemo, ramenez-le-moi. Quoi ? Envoie des plongeurs à leur poursuite et vite ! C'est l'attaque, on y va ? Non, retournez au Nautilus. Vous n'allez pas vous battre tout seul. Mettez le réacteur à pleine puissance. D'accord. Sur le Nautilus. Je vais le pulvériser, lui et son sous-marin. Tourelle en position, allons-y. Préparez le rayon bêta. Capitaine, c'est peut-être le moment d'ouvrir le parapluie. Quand le professeur découvrira notre départ, il va sortir le grand jeu. J'amoindrirai ma puissance. Non, j'ai besoin de toute ma capacité nucléaire. Plongez, plongez. Thank you.
professeur utilise son rayon bêta, on ne va pas pouvoir résister. Cette montagne va nous protéger. 40 degrés tribord. Bien, capitaine, 40 degrés tribord. Gouvernez tout droit comme ça. Bien, capitaine, droit comme ça. Pulvérise, démon! L'ennemi est détruit. Nous avons réussi. Nous nous sommes sauvés, mais pas Washington. Quelle heure est-il maintenant? 8h moins 3. Alors il nous reste encore 3 minutes. Maintenant, vous allez voir pourquoi j'ai demandé de brancher le réacteur à pleine puissance. Cet instrument va créer un rayon lumineux développant une énergie suffisante pour illuminer une ville comme New York pendant un an. Vous aviez aussi inventé le rayon laser? Appelez ça comme vous voudrez, c'est notre seul espoir d'arrêter ce missile et de sauver Washington. Il reste encore 90 secondes. Je surveille ma montre, je vous remercie, commandant. D'une minute, Washington aura disparu de la carte. Et le monde m'appartiendra. 29 secondes. Le réacteur n'en supportera pas plus, il est au bord de l'explosion. 8 secondes. Remontez vers des eaux moins profondes, il faut réparer les dégâts immédiatement. Lieutenant, commencez à diminuer. Allô, capitaine Nemo? Allô, capitaine Nemo, répondez, Nautilus. Bien joué, capitaine. Alors, ça devrait régler nos comptes, monsieur Miller. Attendez, nous n'en avons pas fini avec le professeur, il reste dangereux. Ça, malheureusement, maintenant c'est vous que ça regarde. Moi, je vogue vers l'Atlantique. Et avec votre autorisation préalable, et si bien entendu ils sont volontaires, je voudrais emmener le commandant Franklin et le lieutenant Porter avec moi. Moi, j'accepterai très volontiers, monsieur Miller, avec votre accord, bien entendu. Je pose une permission, monsieur. Accordé. Les réparations seront bientôt terminées, mais nos réservoirs sont presque vides. J'avais prévu un manque de carburant. C'est pour cette raison que nous sommes ici à l'ouest. Stoppez tout. À vos ordres. On stoppe. Stop. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Je branche le système d'induction magnétique. Oh. Nous sommes descendus à 3300 mètres. Exactement au-dessus de la fosse Mindanao. Dans cette fosse, il y a des conteneurs d'acier dans lesquels nous trouverons les déchets radioactifs dont on a besoin. Les conteneurs apporteront la puissance au Raven. Ah. Allez, je t'invite à la pêche. Récupérons quelques petits poissons radioactifs qui redonneront vie à notre moteur nucléaire. Branchez l'électroaimant. Mmh.
Ici Miller, j'appelle le Nautilus. Allô, capitaine Nemo, répondez, Nautilus. Je vous écoute, monsieur Miller. Capitaine, j'ai besoin du Nautilus. Il n'est pas à vendre. Non, je ne veux pas l'acheter, j'ai suffisamment de sous-marins à ma disposition. Mais aucun capable de résister à la pression par 12 000 mètres de fond. Ah oui, la fosse de Mindanao. Oui, notre vaste cimetière nucléaire. Nous avons la preuve irréfutable qu'il existe des émanations radioactives. Je voudrais vous rappeler, monsieur Miller, que je ne suis pas encore engagé dans la marine des États-Unis. Je ne suis donc pas sous vos ordres. Mais pour reprendre votre expression, vous êtes mon débiteur. Mes services ont réparé le Nautilus et vous ont fourni un équipage. Et je vous en suis reconnaissant. Mais je pouvais croire que le fait de sauver Washington de la menace du professeur Cunningham vous avait remboursé capital et intérêt. Capitaine, les courants peuvent traîner ces déchets radioactifs à l'autre bout du Pacifique et provoquer la mort de millions de personnes. Monsieur Miller, cette planète a survécu pendant plus de 100 ans malgré mon absence. Capitaine, les États-Unis et peut-être le monde entier ont besoin de vous. Monsieur Miller, je commence déjà à regretter. Nous nous entendions si bien. Non, ce n'est pas le moment de vous flatter, mais nous avons vraiment besoin de vous, capitaine. Bien, parfait. Direction Mindanao. Merci, capitaine Nemo. Passez à Pearl Harbor. Là, un physicien nucléaire, le professeur Robert Cook, montera à bord. Cook a fait partie de l'équipe qui a choisi la fosse de Mindanao pour immerger nos déchets radioactifs. Il est accompagné d'une assistante. Terminé. J'ai du mal à croire que celui que vous allez me présenter approche les 150 ans. Je vous comprends, ça c'est incroyable. En fait, vous prétendez tout simplement que la cryogénie est possible. Et que cet homme a dormi pendant plus de 100 ans. Et que j'étais là quand il s'est réveillé. Par ici, mademoiselle. La beauté fait son apparition chez les solitaires de la science. Les femmes sont libérées aujourd'hui. Elles veulent être traitées en égal. Pour ma part, je préférais l'époque où nous aimions tous à penser qu'elles étaient uniques. Aucune femme n'était encore jamais montée à bord du Nautilus. Merci, capitaine. C'est un grand honneur. Alors, professeur, vous êtes donc le grand spécialiste de la fosse de Mindanao. Personne n'a jamais travaillé par ces profondeurs. Nous avons fait tous nos tests en labo. Nous avons simulé les conditions de pression sur des conteneurs miniaturisés. Si cette fuite ne se ferme pas, je suis bon pour la retraite. Conduisez-moi à ce cimetière, docteur. Nous allons sceller ces cryptes. Être près de toi. Ça vaut donc la peine de faire ce que je fais, ma chérie. Tu ne regrettes pas d'être venue? Non. J'aurais préféré que tu sois tout de même plus catégorique. J'ai peur. Il ne faut pas faire de mal à qui que ce soit. Alors là, aucun risque. Je veux simplement arrêter Nemo pendant 24 heures, c'est tout. Et quand j'aurai réussi, on nous versera une petite fortune dans une banque suisse et nous pourrons réaliser tous nos rêves. Plus rien ne sera trop beau pour nous. Et personne à bord du Nautilus ne va être blessé. Personne ne sera blessé. Cathy. C'est promis. Tu me crois ? Capitaine, je ne peux plus contrôler la barre. Donnez-moi ça. Nous sommes au 350, nous avons dévié. Qu'est-ce qui se passe? On se dirige vers le nord-ouest. Mais la fosse Mindanao est au sud. Eh bien, on s'en éloigne. Je n'arrive pas à contrôler le Nautilus. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne voit plus rien? Je ne sais pas. Stoppez les machines.
Stoppez les machines. Poste de combat. Poste de combat. Poste de combat. Des mines. Ses eaux comme un fermier connaît ses champs. Ce genre d'incident ne m'était encore jamais arrivé. Il a certainement été provoqué par un ennemi. Un quoi ici, à quelques milles de la fosse de Mindanao? Vous voyez qui? Le professeur Cunningham. Encore? Encore. J'ai l'impression que les commandes répondent de nouveau. Alors, en avant lentement. Salle des machines. En avant, mais lentement. Eh bien. Maintenant, il faut arriver à traverser ce verger sans en abîmer les fruits. Bien joué, capitaine. Chut. Stoppez les machines. Stoppez les machines. Qu'est-ce qui se passe? De mine. Il me semble qu'un câble de mine s'est pris dans un de mes ailerons. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il va falloir le dégager. Et comment peut-on le dégager? Je m'en charge, merci. Capitaine, faites attention. Il y a peut-être beaucoup plus dangereux que les mines. Dans cette zone, l'eau est particulièrement radioactive maintenant. Combien de temps puis-je rester dans l'eau? Bien, à mon avis, pas plus de 4 ou 5 minutes. Très bien, je surveillerai l'heure. Capitaine, je vous accompagne. Vous voulez partager ma gloire, commandant? Allez, venez. Le câble de mine est bien coincé dans l'aileron. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir le dégager. Jim, vous m'entendez? Oui, capitaine, pas de problème. Je vous reçois 5 sur 5. Le câble est bien coincé par l'aileron. Nous aurons besoin de nos deux mains, alors nous laissons le micro ouvert. Entendu. On va prendre le câble juste au-dessus de l'aileron et tirer vers le bas. Cathy, avez-vous pu vous faire une idée de la radioactivité de l'eau? Laissez-moi encore une minute, j'ai presque terminé, je vous rappelle. Jim, dis aux timoniers de se tenir prêts. Capitaine, vous aviez exactement 4 minutes 30 à passer dans l'eau à partir du moment où vous avez quitté le Nautilus. Très bien, ce sera suffisant. Rappelez-nous le temps. Jim, tribord, toutes lentement. Timonier, à droite, toutes lentement.
À droite, toute lentement. En arrière, lentement. Timonier, attention. En arrière, lentement. Capitaine, il vous reste 2 minutes 50 secondes. D'accord, Jim. Capitaine est au courant du compte à rebours. Il reste moins de 3 minutes. Je viens de le lui dire. Stoppez les machines. Timonier, stoppez les machines. Stoppez les machines. Il faut le couper. Nous n'avons pas le choix. Vous n'avez plus que 40 secondes. Entendu, nous rentrons. Professeur Cunningham, vous me recevez? Professeur Cunningham. 5 sur 5, faites votre rapport. Je suis toujours vivant. Bien que vous ayez tout fait pour me tuer, vous avez dirigé Nemo au milieu des mines, en déviant la route du sous-marin. Je ne vous visais pas à vous, je voulais détruire Nemo. Et moi avec. Vous avez essayé de couler le Nautilus avec moi à bord. Alors moi j'arrête, c'est fini, vous entendez? Non, 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 une minute. Si vous arrivez à enterrer Nemo dans la fosse de Mindanao, je double votre prime. Et vous parlez d'une bonne affaire si je me suicide. Attendez, attendez. Je transporte un sous-marin de poche. Et je suppose que le Nautilus transporte aussi un sous-marin de poche. Vous êtes un homme intelligent. Quand vous en aurez fini avec Nemo, utilisez son petit sous-marin pour vous enfuir. mètres, Paris a stabilisé. Nous sommes à 12 000 mètres. Nous avons presque atteint le fond de la fosse de Mindanao. 12 500 mètres. Stoppez les machines. Stoppez les machines. Voilà notre problème, capitaine. Ces petits points lumineux sont des bulles de radiation. Oui, il faut absolument boucher ces fuites. Il n'y a qu'un seul moyen. Il faudrait les souder. Ça peut être fait d'un bathysphère. J'aimerais participer, mais je ne suis plus aussi agile qu'à 20 ans. Je vais me changer. Je suis prête à vous accompagner. Non, Cathy. Il ne faut pas y aller. Je suis venue pour me rendre utile. Je sais. Mais ici, à bord du Nautilus. Je vais là où on a besoin de mes services. Mais tu n'es pas entraînée pour le bathysphère. Je travaille dans la physique nucléaire et je suis entraînée à affronter tous les problèmes nucléaires. Le capitaine se chargera du bathysphère et non, moi... Non, ce n'est pas à toi d'y aller. Parce que je suis une femme. Pas de discrimination, s'il te plaît, je veux y aller. D'accord, capitaine? Vous serez la bienvenue, mademoiselle. Faites préparer le bathysphère, commandant. Surtout, gardez le contact. Oui, oui, nous resterons constamment en liaison radio. Enclenche la descente.
un peu comment ça se présente. Ces containers ne se sont pas fissurés tout seuls. Quelqu'un a percé ces trous dans ces parois. Je ne vois qu'un homme qui ait cette possibilité et cette amoralité. Le professeur Cunningham. Bien, mettons-nous au travail tout de suite. Cela risque d'être plus long que je ne pensais. Ces ouvertures doivent être hermétiquement scellées. Qu'avez-vous, mademoiselle? Oh, je ne sais pas, j'ai la tête qui tourne. C'est sans doute par manque d'oxygène. Notre oxygène s'épuise anormalement. Ne faites rien, surtout pas d'effort. Il nous faut plus d'oxygène. Je vais augmenter le débit. Voilà. On devrait avoir des nouvelles du capitaine maintenant. Nautilus appelle Capitaine Nemo. Allô, capitaine? Pas de réponse, c'est pas normal. Il se passe quelque chose de grave. Remontez vite. Tu avais le choix. Je t'avais dit de ne pas descendre dans le bathysphère avec Nemo. Eh bien sûr, le docteur Cook. Eh oui, ça ne pouvait être que vous. Voilà une déduction guère scientifique. C'est pourtant de la logique pure. Le Nautilus demande un contrôle quasi permanent et j'avais suggéré à Tom de vérifier tous les appareils aujourd'hui, justement. Et je viens de tout vérifier à mon tour. Il n'y avait plus qu'une solution, le sabotage. Mon équipage est loyal et Cathy était avec moi dans le bathysphère. Je vois. Et je peux savoir ce que vous avez décidé de faire maintenant? Je vais vous mettre au fer et je terminerai ma mission. Si vous êtes mort, ça me paraît plutôt difficile. Allons, docteur. Vous savez que je ne meurs pas facilement. Oui, mais moi, je ne me décourage pas facilement. Plus de temps pour les conteneurs. Dis-lui de maintenir le Nautilus à l'écart jusqu'à mon signal. Cook, ici Raven. Répondez. Raven appelle Cook. Pas de contact? Non, monsieur. C'est le professeur. Passez-le sur écran. Comment on se retrouve, professeur?
Cook est mort. Et moi, vous le constatez, professeur, je n'ai jamais été aussi vivant. Votre pauvre existence ne présente plus d'intérêt, mon cher capitaine. C'est un tort. Je vais vous arrêter dans vos œuvres. Quelle noblesse! Quel enfantillage! Vous auriez dû être présenté à Don Quichotte, capitaine. Vous êtes aussi pitoyable! Nous verrons bien. J'ai l'intention de recouvrir le fond de la fosse de Mindanao. Barrez pour le rayon bêta, dépêchons. Barrez pour le rayon bêta. Vous êtes vraiment décidé à vous suicider? Je suis vraiment décidé à débarrasser le monde du nuage que vous voulez répandre sur les hommes libres. J'en ai par-dessus la tête! Trop, c'est trop! J'ai plus de temps à perdre avec vous! J'ai bien trop de travail! Moi, j'ai une mission à remplir! Un destin à accomplir! Car je suis le sauveur! C'est comme si vous vous battiez en duel sans armes. Le professeur va ouvrir le feu et on ne peut se déplacer qu'au quart de notre vitesse. On va faire une cible idéale. Nous formerons plusieurs cibles idéales. Barre à tribord toutes. Barre à droite toutes. Capitaine, le Nautilus tourne en rond. Mais c'est intentionnel. On peut savoir ce que vous faites? Je prépare la formule chimique nécessaire à une projection cinétique. Dans une minute, je commencerai à reproduire des Nautilus. Il va en résulter une pléiade de petits frères du Nautilus. Vous pouvez créer d'autres Nautilus? Je peux en donner l'impression. Sur un écran radar, le Nautilus donne une certaine image. Je vais créer plusieurs images. Et notre brave professeur apercevra une multitude de Nautilus. J'ai projeté toutes ces reproductions au fond de la fosse de Mindanao. Le professeur semble les suivre. Et bien entendu, il veut avoir la certitude de sa victoire. Cessez le feu. Nouvelle lecture. 70 degrés, mais sud-sud-est. 70 degrés sud-sud-est. Allez, feu! 20 du Nautilus. Et fin de niveau. Les ennemis sont toujours vivants. Pas pour longtemps. Nouvelle lecture. 35 degrés sud-sud-est. 35 degrés sud-sud-est. Déclenchez le rayon bêta! La fosse de Mindanao est comblée, les conteneurs sont enterrés. Bien joué, capitaine. Et je n'ai plus le Raven sur l'écran, il a disparu. Je l'ai pourtant suivi depuis 10 minutes, il est peut-être dans la fosse. Oui, mais rien n'est sûr. Le professeur nous a échappé une fois, il a très bien pu recommencer. Les Açores, la péninsule ibérique, l'Espagne, le Portugal, et puis le détroit de Gibraltar et les colonnes d'Hercule. Mes recherches touchent à leur fin. L'Atlantide est à portée de ma main. Changement de cap 091. Bien, capitaine. Changement de cap 091. En avant, un tiers. En avant, un tiers. Hé!
Réduisez la vitesse à un nœud. Vitesse un nœud. Barre à bâbord toute. Barre à gauche toute. Le magnifique continent de l'Atlantide, droit devant. C'est l'Atlantide ? On a réussi. Félicitations, capitaine, c'est vous qui aviez raison. Bon sang de bonsoir. C'est un mirage. Non, non, elle existe. C'est notre invité. Il n'a pas l'air agressif. Est-ce que vous parlez notre langue? Non, c'est dangereux. Ah, donc, vous nous comprenez très bien. Vous pourriez peut-être nous dire qui vous êtes? Je suis Tibor, roi d'Atlantide. Nous sommes de la surface. Pourquoi nous avez-vous fait prisonnier? Vous avez fait irruption chez nous. Oui, nous avons fait irruption. Mais nous venons chez vous en voyageurs apportant la paix. C'est ce que m'avait dit l'autre. Quel autre? Il est venu dans un vaisseau comme celui-ci. Il s'est montré perfide et fourbe. Il a pris des prisonniers et il nous a prévenu qu'il reviendrait un jour. Nous sommes venus apprendre et non conquérir. Nous sommes vos amis. L'autre était perfide. Qui est-ce qui peut me faire croire que vous êtes différent? Votre Majesté, je suis un homme de parole. Même si je venais à accepter votre offre, le Grand Conseil doit donner son accord. Conduisez-nous à lui. Il y a un passage secret pour entrer dans notre cité. Vous serez notre guide, Majesté. Et si vous le permettez, je vais vous montrer le chemin. Aux ordres, Votre Majesté. Dans cette direction, lentement. En avant, lentement. En avant, lentement. Une
arrêter, s'il vous plaît. Stoppez tout. Stoppez tout. Vous êtes à Atlantide. Mais non, c'est pas possible. Atlantide est devant nous. Non. Ça, c'est l'ancienne cité. Elle est abandonnée depuis longtemps. Les tremblements de terre l'ont rendue inhabitable. Nous avons dû nous réfugier sur le fond de l'océan pour la nouvelle Atlantide. Son entrée se trouve exactement sous nos pieds. Suivez-moi. Seule goutte d'eau, vous pouvez arrêter la pompe. Maintenant, nous pouvons entrer dans Atlantide sans craindre la mer. Suivez-moi. Franchement, je ne suis pas très rassuré. Allons, allons, oubliez vos craintes, commandant. Vous êtes en train de vivre un moment historique. La découverte de l'Atlantide. Le plus légendaire, le plus convoité des continents engloutis. Alors, ils sont où? Ils sont entrés dans l'Atlantide. Attention, on va les perdre. Règle l'image, dépêche-toi. Je ne peux pas. Peut-être que quelqu'un la brouille volontairement. Grand conseil. Le capitaine Nemo. Pourquoi as-tu amené cet étranger dans la chambre sacrée du Grand Conseil? Je suis venu vous offrir mes services. Silence! L'une ne peut prendre la parole sans en avoir l'autorisation. Nemo est venu en ami. N'avons-nous pas appris que ce genre d'amis étaient nos pires ennemis? En effet, il a raison. C'est de perfidie et de lâcheté. Je sais que vous avez souffert. Je suis venu vous aider. L'autre aussi venait nous aider. Et finalement, il a emmené mon frère comme prisonnier. Oui, il vient comme celui qui s'était présenté devant nous. Il nous tend la main comme l'autre nous l'avait tendue. Et l'autre nous a trahis pourtant. Nous sommes prévenus aujourd'hui. L'étranger doit mourir. L'étranger doit mourir. Ça suffit! Assez de piaillements de fillettes hystériques! Je ne suis pas venu ici pour mourir! J'ai dit silence! De toute façon, vous n'avez plus le choix, vous êtes notre prisonnier. Erreur, honorable vieillard, c'est vous qui êtes mes prisonniers. J'aurais pu vous pulvériser et je vous ai laissé la vie sauve. Est-ce que c'est le geste d'un conquérant? J'utiliserai mes armes contre l'oppresseur, pas contre vous. Et ceci n'est qu'un faible aperçu de mon arsenal. Venez à bord de mon sous-marin, je vous montrerai. Je suis le roi. C'est à moi que vous devez montrer. Permets-nous de t'accompagner, Tibor. Nous avons perdu trop d'habitants d'Atlantide. On ne peut pas risquer de perdre notre roi. J'ai confiance en Nemo. Laissez-les vous accompagner, Majesté. Vous serez aussi en sécurité avec eux que sans eux. Capitaine Nemo, branchez le rayon laser. Voulez-vous me suivre?
Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Eh, j'en sais rien. Tom, répondez. Répondez, Tom. Allô, allô. Les membres de l'équipage qui ne sont pas paralysés ont disparu. Et où sont vos deux jeunes compatriotes? Syriac était là, avec Bork. Le générateur fonctionne de nouveau. Nous bougeons. Manuellement. C'est le seul moyen de reprendre le contrôle du Nautilus. Nous avons ordre de les transporter à bord du sous-marin de poche. Les étrangers sont à bord. Bien, bien. Comment on se retrouve, capitaine? Tout le plaisir n'est pas pour moi, professeur. Capitaine, voilà l'homme qui s'est lâchement attaqué à mon peuple, alors que je l'avais accueilli. Alors, à mon tour de vous accueillir pour la dernière fois. Thor, approche. Tu veux bien conduire Tibor dans notre salle de réception? Et vous, messieurs, voulez-vous garder votre endroit? Tom, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'étais sur le Nautilus et je me suis retrouvé ici, avec cette sorte de bandeau. Je reçois des messages. Enlevez-moi ça. D'accord. Je ne peux pas. Il ne peut pas, vous voyez, car votre ami n'obéit qu'à moi. À moi uniquement, comme vous m'obéirez. Jamais. Qu'avez-vous fait de mon équipage? Ils sont tous figés. Ils sont figés dans le temps, capitaine. C'est un procédé que j'ai conçu, le rayon Z. Entre nous, c'est d'une simplicité enfantine. J'exige leur libération immédiate. Maintenant, attachez-le. Ce n'est pas vous qui aurez ma tête, au contraire, c'est moi qui aurai la vôtre. Parce que je vais extraire chaque bribe du savoir que vous pouvez détenir en ponctionnant votre cerveau. Oui, je vais ponctionner votre cerveau. Là, voilà. Comme ça. J'ai besoin de toutes vos connaissances. J'en ai besoin. Votre savoir combiné avec le mien me permettra de devenir l'être le plus prodigieux de la planète, et il est nécessaire. Laissez-moi vous expliquer. À cette même heure, demain, j'hériterai de la planète. Oui, oui, littéralement. Laissez-moi vous expliquer.
Imaginez une seconde, le produit le plus destructeur qu'il y ait au monde, formidablement concentré et attaché à une fusée que personne ne pourrait faire dévier de la trajectoire initialement prévue. Eh bien, je l'ai. Et avec ce produit, j'ai l'intention d'effacer toutes les grandes capitales de notre pauvre globe. Montrez-lui. Montrez-lui. Voilà. Je vous présente l'élément Crozard. Il est redoutable, capitaine. Il est condamné, il est rejeté par toutes les nations du monde. Et j'en ai 20 exemplaires, dans une capsule, sous nos pieds, prêts à être lancés quand j'en aurai envie. À H-1, toutes ces petites billes seront catapultées dans l'atmosphère. Vous savez, comme les fléchettes d'une grosse sarbacane. Et une minute ou deux après, je serai obligé de me proclamer chef incontesté de la planète Terre. Mais c'est monstrueux, vous n'allez tout de même pas détruire la vie de millions d'innocents. Ah si, mais si. Je vous assure que si. D'ailleurs, le compte à rebours ne peut plus être interrompu. Ma fusée s'envole à 3 heures précises. Tom, j'ai besoin de vous. Comment voulez-vous le commander? Alors que vous ne commandez plus à votre propre cerveau. Maintenant, écoutez-moi. Nous avons déjà assez perdu de temps. Il me faut la formule de votre rayon laser. Non, jamais! Tout de suite! Hein? Ah! Voilà la formule! Maintenant, il me faut la photocopie de la source de votre puissance, le réacteur nucléaire. Et quand vous me l'aurez donné, il ne vous restera plus qu'à me confier tout votre arsenal. Non! Aussi! Non! Tom! Tom! Écoutez, Monsieur Miller! Nous faisons tous partie des services secrets de la marine. Nous formons un groupe d'élite, chargé de s'opposer à toute menace envers les États-Unis d'Amérique. Ils ne reçoivent d'ordre que de moi. Mais toute notre organisation n'obéit aux ordres que d'un seul homme. Tom! Cet instrument s'appelle un téléphone. Et il me relie directement à la Maison Blanche, à Washington. Ce pitoyable chapitre de votre vie qui vient d'interférer ne nous apportera rien. Rien du tout! Tom! Écoutez, Miller! Le commandant Franklin et le lieutenant Porter sont sans doute les deux plongeurs les plus expérimentés des services secrets de la marine. Ils ont été spécialement sélectionnés pour s'opposer à la menace du professeur Cunningham. C'est lui, le professeur Cunningham! Tom, enlevez votre bandeau! Enlevez votre bandeau! Détachez-moi, Tom. Qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur s'est mis dans la tête de détruire le monde, mais on peut encore l'arrêter. Il nous reste 47 minutes. Ce bandeau que vous avez autour de la tête vous rendait prisonnier du professeur. Portez-le, mais sans le transistor. On gagnera du temps et on pourra peut-être sauver le roi. Dépêchez-vous, le professeur vous attend. Quand le professeur nous a enfermés, cette porte coulissait. Ah, tiens, comme ça. Merci, mes amis. Pétrissons le camp. Par ici. Voilà les transistors qui les obligeaient à obéir au professeur. Où sommes-nous? Mais qu'est-ce qui se passe?
se passe? Pourquoi on est là? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Il faut quitter ce bateau immédiatement. Mais l'élément Crozard est quelque part à bord du Raven. Alors il n'y a qu'une solution. Il faut arriver à couler le Raven avant la fin du compte à rebours. Et enfouir l'élément Crozard avec lui? Exactement. Allez vite. Prisonnier du professeur. Le professeur n'a plus besoin de moi, Tom. Alors, vous devez mourir. Bork et Syriac ont libéré le roi. Eux aussi, ils doivent mourir. Non, je ne crois pas. Nous n'avons pas la possibilité de franchir ce champ magnétique. Le signal pour le lancement. Votre Majesté, prenez le sous-marin de poche et retournez dans l'Atlantide. Je préférerais rester. Non, vous devez partir tous les trois et tout de suite. Capitaine, je ne peux aller me cacher alors que vous risquez votre vie pour mon peuple. Et si le professeur vous capture, il contrôlera Atlantide à tout jamais. Votre seule chance, c'est de fuir avec le sous-marin de poche. Mais vous, vous en aurez besoin. Ne vous inquiétez pas pour nous. Allez, partez, s'il vous plaît. Très bien. Je ramènerai le sous-marin de poche au Nautilus. Et je prierai pour votre réussite. Merci. Allez. Venez. Merci. Où est Nemo? Nemo s'est enfui avec Tibor, Bork et Syriac. Pas pour longtemps. Libère l'équipage! Tuez Nemo! Tuez les autres! Tuez tout le monde! Bravo, Thor. Bien joué. Utilisez cette tenue pour retourner à bord du Nautilus. Attention, ils nous suivent. Par ici. Regarde, ils sont juste devant nous. Passe par la droite. D'accord. Nous allons les paralyser. Nous ne sommes pas des assassins. Thank you.
toujours parti. Là-bas. J'ai l'impression de ressusciter. C'est le cas. Qu'est-ce qui se passe? On vous expliquera plus tard. Jim, il me faut le réacteur à pleine puissance. La vie de centaines de millions de personnes dépend de notre réussite. Comptez sur moi. Alors, aucun de vous n'a aperçu Nemo? Nemo est libre. Ah! Il file vers son tombeau. Préparez le rayon bêta! Bien, capitaine, barre à droite, toute en avant, deux tiers. Jamais assez. Vous avez libéré mon peuple. Cela restera le plus beau souvenir de ma vie, Majesté. Mais jamais je ne reviendrai à Atlantide. Personne de la surface ne viendra ici. Vous n'avez pas besoin de ce genre de visite. Qu'Atlantide soit toujours épargnée par nous, par notre progrès. Et moi, jamais je ne pourrai vous oublier. En avant, un tiers. J'aurais bien aimé jeter un dernier coup d'œil à l'Atlantide avant de remonter. Accordé, lieutenant. Par à tribord. Changement de cap 090. Bien, capitaine. Par à droite, changement de cap 090.